Je m'appelle Ingrid. Je suis née en Haïti, plus précisément à Port-au-Prince, il y a 43 ans de cela. J'ai fait mes études primaires, secondaires en Haïti. Et je suis ravie de partager mon histoire avec vous. Un reste avec, c'est un enfant qui est généralement âgé au plus jeune de 5 ans. Ça peut être un petit garçon ou une petite fille qui est généralement quelqu'un de la famille, une cousine éloignée, un petit cousin éloigné qui vit à la campagne parce que la famille ou les parents en campagne n'ont pas assez d'argent, n'ont pas de quoi élever l'enfant ou l'envoyer à l'école, se dit que ben, toi, comme tu vis à la capitale, peux-tu l'accueillir chez toi? Nous avons des enfants qui ont des droits et des enfants qui n'ont aucun droit. Et ce sont ces enfants que nous appelons les enfants restés avec, les enfants en domesticité. Si nous voulons avoir une société équilibrée, nous devons éviter ce genre de comportement. On parle d'un enfant de 7 ans, de 8 ans ou de 10 ans. Ça sera ton médecin demain. Et c'est cet enfant qui va te sauver la vie. Mon histoire commence à l'âge de 7 ans, quand mon père, à l'époque, il y avait Jean-Claude Duvalier, président d'Haïti, et plus précisément en 1986, ça c'est pour la Suisse, mais c'est 1986. Et à cette époque-là, la vie, on avait la vie dure, c'était compliqué. Mon père ne travaillait pas parce qu'il est musicien. Ma mère était femme au foyer, elle ne travaillait pas. Le pays, c'était devenu très, 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 très compliqué à cette époque. Malheureusement, ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, mais c'était très dur. Et c'est là qu'il a eu l'opportunité de partir au Canada. Et il a expliqué à ma mère que, voilà, par souci d'économie, par souci de renforcer les liens familiaux, c'est mieux qu'on aille s'installer chez ses parents à lui. Les parents de ma mère n'appréciaient pas trop mon père parce qu'il était musicien, ils ne le considéraient pas assez bien. Et moi j'avais 7 ans, j'étais toute contente avec mes sœurs, mon petit frère avait à peine une année. On était contents d'aller retrouver toute la famille, on vivait dans une maison, les oncles, tantes, on était plusieurs dans la maison, mon grand-père et ma grand-mère paternelle. Les premiers mois, tout allait très bien parce que je pense que mon père arrivait là-bas au Canada, il faisait des balles. Il nous envoyait de l'argent, surtout à sa mère, pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Jusqu'au jour où ma mère est tombée malade. En Haïti, c'est une maladie qui est très mal vue, c'est la tuberculose. Quand on attrape cette maladie, on est considéré comme des pestiférés. Mes grands-parents, surtout ma grand-mère, elle a pris peur. Elle voulait plus que qui que ce soit s'occupe de ma mère, et étant l'aînée de la fratrie, donc c'était à moi de m'occuper de ma mère. Et en même temps que ma mère tombe malade, parce qu'il n'y a rien qui arrive sans autre chose, ben mon père se retrouve en difficulté au Canada, donc du coup, pas d'argent. L'argent ne rentre plus. Donc, on a été considérés comme comme un fardeau, comme des charges, comme des poids, parce que on s'est retrouvé à plus de 10 personnes dans la maison, pas assez d'argent qui rentre. Aujourd'hui, je l'interprète comme ça, c'est une sorte de colère de ma grand-mère vis-à-vis de moi, vis-à-vis aussi de ma cousine à l'époque. Avec ma cousine, en fait, on avait des tâches bien définies. Moi, je m'occupais de la lessive, pour tout ce qui concernait mes sœurs, mon frère et ma mère. Parce que, comme ma mère était malade, j'ai dit avant, il ne fallait pas que tout ça soit mélangé avec les autres vêtements, les autres choses de la maison. Et ma cousine s'occupait de tout le reste de la maison pour les autres membres de la famille. Comme il n'y avait pas d'argent, on était plus scolarisés, on nous a enlevés de l'école parce que c'était un moyen économique. On a commencé à manquer à manger,
parce qu'il y avait très peu de nourriture. Et ce qu'il y avait, c'est qu'au-delà des coups, je dirais que c'est la torture psychologique, c'était les mots. C'était un mélange d'une éducation stricte et de la maltraitance. Pourquoi je dis que c'est de la maltraitance? La maltraitance physique, psychique et verbale. Et ce qui m'a beaucoup marqué à cette période, c'est la faim. Oh my God. Nous étions tellement grand goût, mes amis. Grand goût était tellement raide, nous sortis. Dans le métal shit à sous, on était un petit perron, on sort petit, on timone. Nous sortis dans le shit à sous juste pour respirer l'odeur de la nourriture. Pour nous respirer au dépaté codéa. Oh, ça sent bon. Je me rappelle encore, on disait ça avec ma soeur. Et c'est comme si ma mère, on était connecté avec ma mère et il rentrait dans la caille avec deux pâtés cordés. Puis il prend une, il coupait en trois pour moi-même avec deuxième semaine et puis lui-même. Et puis l'autre, il coupait en deux parce que l'autre était pipiti, petit frère avec l'autre petit semaine. Et puis il baillait. Et puis voilà, on a passé. C'était notre repas de la journée. L'argent, manque d'argent, peut entraîner le changement de l'attitude, le comportement des gens, même si c'est de notre famille. Et c'est ça qui est catastrophique. Pour fuir, on peut retrouver trois tableaux. Premier tableau, quand on fuit certaines choses qu'on n'aime pas, l'enfant fugue. Tu sais pas où tu vas, tu te retrouves à la rue. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants qui traînent dans la rue, vous savez pas d'où ils viennent ces enfants, mais c'est des enfants qui étaient restés avec, qui ont fui justement les coups, la violence. Ils préfèrent sortir, aller dormir dans la rue, deviennent SDF parce qu'ils ne veulent plus avoir à subir ça. Deuxième chose pour les petites filles. Les petits garçons en subissent aussi, mais ils n'en parlent pas parce que c'est des garçons. On va considérer ça comme du viol aussi, que ce soit les filles et les garçons. Mais les filles vont se monétiser. Elles deviennent des prostituées. Et là, on tombe dans quoi? Dans la prostitution infantile. Troisième situation, c'est que toute la famille, ou bien un peu plus grand, on en a tellement marre, surtout quand on a vécu ça pendant plusieurs années dans notre enfance. Arrivé à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on voit qu'il n'y a pas d'issue, on prend le bateau, on va chercher la vie meilleure ailleurs. On devient réfugié au péril de sa vie. C'est pareil, cette migration que nous avons, des gens qui veulent aller aux États-Unis, c'est pour un mieux-être. Eh bien, ces gens envoient leurs enfants chez quelqu'un pour avoir un mieux-être. Mais c'est tout à fait le contraire. Et je pense que c'est notre devoir de dire haut et fort les méfaits, les impacts de cette situation sur le pays. Quand tu souffres, quand tu ne sais plus, tu n'as plus d'issue, la mort, tu n'y penses même pas. Elle n'existe pas. Tu te dis, mais non, mourir. Je ne peux même pas mourir alors que tu ne sais même pas nager. Hein. Tu n'as même pas de gilet de sauvetage. Mais non, parce que tu dis, ça ne peut pas être pire que ce que je vis maintenant. Je suis tellement à terre. On m'a tellement piétiné. On m'a tellement fait sentir que je n'étais personne. Prendre le bateau, traverser, alors là, mourir, la mort, c'est pas pour moi. Le Dieu qui est là-haut, il va me garder en vie. Et aujourd'hui, on peut se demander pourquoi nous avons tant de méchants? Pourquoi nous avons tant d'enfants ou adultes qui peuvent tuer à n'importe quel moment, sans foi ni loi? C'est parce que la vie n'a pas d'importance. Sa vie n'a pas d'importance.
Sa vie n'a jamais eu de l'importance. Et ça, je pense que, je le dis haut et fort, nous avons créé cette situation. On doit changer maintenant. On doit briser cette chaîne. On doit changer de posture. Posture mentale. Les enfants restent avec aujourd'hui seront les adultes de demain. Les enfants qui étaient restés avec il y a 36 ans en arrière sont les adultes d'aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Aïe, 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 aïe. Mais chaque samedi soir, libre miracle d'assaut, l'alcaille au frère qui bon corps, l'al sécouté, l'al jeté l'eau, l'al font y monter, piwa, piwa, pour le sapalé. L'al fait joli couler de l'eau, mes amis, tu m'as vu danser sans bas.